19h à Alger, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce dimanche 2 juin. 240 jours en plein cauchemar pour Gaza, le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'élève à 36 439 martyrs et près de 83 000 blessés. De plus en plus de pays se rallient à la cause palestinienne. Le président chilien Boric exprime son plein soutien à la prise de position sud-africaine, accusant l'entité sioniste de génocide devant la Cour de justice internationale. Réunion de coordination entre pays de l'OPEP+, les ministres de l'énergie des pays membres décident de poursuivre les coupes durant le troisième trimestre 2024. Le torchon brûle entre la Chine et les Philippines. Le ministre chinois de la Défense met en garde contre les limites à la retenue de Pékin. La suite d'une série d'accrochages entre navires chinois et philippins dans une zone hautement contestée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le cauchemar de l'agression sioniste génocidaire à Gaza continue pour le 240e jour consécutif. Le bilan de l'ensemble des crimes perpétrés contre les civils palestiniens s'est alourdi en ce dimanche 2 juin à 36 439 martyrs et 82 627 blessés, femmes et enfants en grande majorité. Selon la dernière mise à jour annoncée par le ministère de la Santé à Gaza, l'armée d'occupation a commis 4 massacres durant les dernières 24 heures ayant fait au moins 60 martyrs et 220 blessés. Dans les camps de réfugiés de Jabalia, au nord de l'enclave palestinienne de Gaza, l'horreur était encore une fois au rendez-vous ce matin lorsque les équipes d'ambulance et de défense civile ont exhumé plus de 50 corps de martyrs après le retrait de l'armée d'occupation du nord de la bande de Gaza vendredi. Ces mêmes équipes avaient réussi à récupérer les dépouilles de 70 martyrs sous les décombres pour un total de 120 corps de martyrs exhumés en à peine 72 heures. Et au moins 3 martyrs palestiniens ont été assassinés. Plusieurs autres ont été blessés ce dimanche à Hayat Daraj, dans le centre de la bande de Gaza, à la suite de la prise pour cible d'un appartement résidentiel appartenant à la famille Al-Nabi, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'enfance palestinienne qui paie un lourd tribut à Gaza, un enfant âgé de 7 ans est tombé cette fois-ci en martyr après que sa maison, située au quartier Sabra, dans le centre de Gaza, ait été ciblée par l'armée d'occupation. Et
Et plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'aviation et de l'artillerie d'occupation sur différents quartiers de la ville de Gaza. Les frappes ont ciblé les environs du collège universitaire dans le quartier d'Al-Sabra, entraînant à bord la blessure d'un certain nombre de Palestiniens. Et la ville de Rafah, au sud de l'enclave, n'a pas été épargnée non plus par les bombardements intensifs des forces sionistes qui ont ciblé le quartier dit du Brésil, situé au sud de la ville. Elle a aussi pour un bilan représentant des blessés et plusieurs maisons détruites. Et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a déclaré que l'ensemble de ces centres de refuge à Rafah, qui sont au nombre de 36, ont été désertés par les réfugiés déplacés à cause des opérations militaires sionistes qui se poursuivent, en plus des bombardements incessants. Une situation qui a contraint des centaines de milliers de Palestiniens venus chercher refuge à Rafah à se déplacer de nouveau vers d'autres zones de l'enclave palestinienne de Gaza au péril de leur vie. Au moins deux Libanais sont morts après une nouvelle frappe sioniste contre une maison de la ville de Houla, au sud du pays. L'armée d'occupation sioniste a également ciblé les villes de Naqoura, Daïra et Yarin, situées au sud du Liban. Et je vous en parlais tantôt, en titre, de plus en plus de pays se rallient à la cause palestinienne. Lors de son discours annuel prononcé hier, le président Gabriel Boric a déclaré que son pays soutiendrait, le Chili soutiendrait la prise de position sud-africaine accusant l'entité sioniste de génocide devant la Cour internationale de justice. Amal Amazian Zetouni. Après avoir reconnu l'État de Palestine en 2011 et rappelé son ambassadeur à Tel Aviv pour des consternations en raison des attaques sionistes sur Gaza en 2023, le Chili se joint à la plainte de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice. Le président chilien Gabriel Boric a sévèrement critiqué les actes sionistes barbares envers les Palestiniens et a parlé de la situation humanitaire catastrophique à Gaza. J'ai l'obligation de parler de la situation critique à Gaza. Nous ne cesserons jamais d'être indignés par les actions aveugles contre des civils innocents, en particulier des femmes et des enfants palestiniens, menées par l'armée israélienne. Plus de 35 000 personnes sont mortes. C'est une situation humaine catastrophique et les infrastructures de Gaza ont pratiquement été détruites. Le dirigeant sud-américain a estimé que le génocide perpétré contre Gaza n'avait aucune justification et était simplement inacceptable et a appelé à une réponse ferme de la communauté internationale. Ces actes exigent une réponse ferme et permanente de la communauté internationale. Outre l'aide humanitaire que nous avons fournie à la Palestine, en rappelant notre ambassadeur en Israël pour les consultations et en même temps que le Mexique a soumis un renvoi de la situation en Palestine à la Cour pénale internationale, j'ai décidé que le Chili soutiendrait le cas présenté par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le génocide. Tout faire pour stopper le génocide, telle est l'urgence selon la CIJ. Une procédure emmenée par l'Afrique du Sud et suivie par une majorité de pays. L'instance judiciaire internationale avait ordonné le 24 mai à l'entité sioniste de stopper immédiatement son offensive militaire à Rafah. Et il semblerait que les continents parlent d'une seule et même voix, des pays africains en passant par les pays arabes, sans oublier les contrées sud-américaines, soutiennent et portent l'initiative de Pretoria.
Actualité, c'est également les élections générales en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir, ANC, a annoncé son intention d'engager des discussions avec d'autres formations politiques en vue de constituer un gouvernement de coalition. Ce nouveau gouvernement devra tout de même se concentrer sur l'unité nationale, la promotion de la croissance économique et le développement durable du pays. Mohamed Ouali Belchaba. Le Congrès national africain, parti dominant du paysage politique sud-africain, a exprimé son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques en vue de former un gouvernement de coalition. Les tractations ont déjà commencé tant à gauche qu'à droite, visant à rassembler un éventail de voix et d'idéologies afin de construire une administration stable et représentative. Au cours des prochains jours, l'ANC aura des discussions au sein de l'organisation et avec d'autres parties prenantes sur la meilleure façon de mettre en place des gouvernements nationaux et provinciaux qui reflètent la volonté du peuple et qui sont capables de faire avancer le pays. Le Parti des combattants pour la liberté économique a exprimé sa volonté de coopérer avec l'ANC. Cette annonce marque une étape importante dans les tractations politiques en cours, offrant une opportunité unique de conjuguer les efforts des deux partis pour répondre aux défis pressants de la nation. We want to work with the ANC. Nous voulons travailler avec l'ANC. S'il y a un parti avec lequel nous pouvons être dignes et travailler correctement, c'est l'ANC, car l'ANC, lorsqu'il est compromis, n'est pas arrogant. L'ANC reconnaît que la conjoncture actuelle exige une approche collaborative pour relever les défis socio-économiques et politiques qui pèsent sur l'Afrique du Sud. Si nous n'avons pas un gouvernement qui n'a pas le pouvoir ultime, vous savez, au moins si vous en avez deux ou trois, je pense que cela fonctionnerait mieux pour nous. Au vu de ce que nous avions depuis 30 ans, je n'étais pas surpris d'avoir le gouvernement actuel. En optant pour un gouvernement de coalition, l'ANC vise à rassembler diverses forces politiques afin de créer une gouvernance plus inclusive et représentative de la diversité du pays. Cette démarche pourrait également renforcer la légitimité et la stabilité du gouvernement, élément essentiel pour instaurer la confiance parmi les citoyens et les investisseurs. Dans l'actualité nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée, selon un communiqué, à des exposés relatifs au financement des start-up, aux mesures et dispositions prises pour réduire les délais de passage portuaire de marchandises importées, entre autres. Parmi les instructions à retenir émanant du chef de l'État figure un plan d'urgence dans le secteur de l'hydraulique visant à approvisionner la wilaya de Tiaret, dans l'ouest du pays, en eau potable, ainsi que de nouvelles dispositions destinées à faciliter le traitement et le transit des importations au niveau des ports, de manière à désengorger les ports secs. Le chef de la diplomatie algérienne, Hamad Attaf, a participé ce dimanche à Séoul, en Corée du Sud, à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée, prévue les 4 et 5 juin courants. Co-présidée par la Mauritanie et la République de Corée, la réunion a porté sur les conclusions les plus importantes qui sanctionneront le sommet, notamment concernant le renforcement du partenariat Afrique-Corée du Sud dans ses différentes dimensions politiques, économiques, sociales et également culturelles. Hamad Attaf, qui s'est félicité d'ailleurs du consensus des parties africaines et coréennes sur la promotion de leur partenariat au niveau de ce sommet. Ce qui mériterait d'être salué par-dessus tout dans le document final qui devra sanctionner ces travaux, c'est l'adoption du principe selon lequel l'Afrique, le continent africain, est maître de son présent et son avenir, et le fait qu'il le prenne en considération les circonstances exceptionnelles auxquelles les États et les populations de notre continent font face, ainsi que le soutien des solutions de développement issues de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Hamad
Ahmed Attaf a par ailleurs salué les efforts de la République sud-coréenne en matière de coopération économique avec le continent africain. Dans ce contexte, nous saluons les initiatives présentées par la République coréenne, pays ami, dans le but de partager son expérience et son expertise pour l'achèvement du projet de la zone de libre-échange africaine et trouver les financements nécessaires au projet de dimension continentale, ainsi que le renforcement des capacités des jeunes en matière de numérique et le renforcement des investissements coréens en Afrique. Sans oublier l'appréciation de la valeur des aides au développement destinées aux pays africains. Le ministre de l'Énergie et des Mines algériens, Mohamed Al-Qaab, a participé ce dimanche à une réunion de coordination à Riyad, en Arabie Saoudite, réunissant les pays de l'OPEP+, effectuant volontairement des baisses additionnelles de leur production. À l'issue des discussions, les ministres en charge du pétrole de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Irak et du Kazakhstan, ainsi que du Koweït, d'Oman et de la Russie, ont décidé de poursuivre les réductions volontaires de production jusqu'à la fin 2025. L'OPEP+ a déclaré, ou jusqu'au troisième trimestre 2024, l'OPEP+ a déclaré la poursuite de ces coupes au niveau de la production de brut et étendre les réductions volontaires de production pétrolière de 2,2 millions de barils par jour au troisième trimestre 2024. Direction le Maroc, où la cherté et le coût élevé de la vie alimentent les malaises des citoyens, 2 semaines après la mise en œuvre par le gouvernement des nouvelles tarifications pour le gaz butane. Les Marocains sont descendus dans la rue indignés. Ils accusent la cupidité des sociétés de distribution de gaz qui ont recours à la fraude en réduisant le poids réel de la bonbonne de gaz par rapport au poids affiché et légal. Hamid Mechri, Sid Ahmed Khadis. Les Marocains, déjà aux prises avec une inflation persistante et obstinément élevée, ont reçu récemment une nouvelle encore plus fâcheuse. Le gouvernement a annoncé de nouvelles hausses de prix de gaz butane. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, le prix de la bonbonne de ce combustible a augmenté de 25%. La bonbonne de butane de 3 kg passera désormais de 10 à 12,5 dirhams, tandis que celle de 12 kg passera de 40 à 50 dirhams. Le ministère marocain de l'économie et des finances a expliqué dans un communiqué que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la réforme du système de protection sociale, dont 3,6 millions de ménages avaient bénéficié jusqu'à fin avril. Cependant, les syndicats et ménages marocains ne voient pas les choses de cette façon. Ils s'indignent que le gouvernement du richissime milliardaire et homme d'affaires Aziz Akhannouch leur ait tourné le dos en s'alignant sur les injonctions du FMI. Pour beaucoup d'observateurs, cela a créé un sérieux problème, d'un malaise et d'une explosion sociale. Hier, l'Union marocaine du travail, la plus ancienne des centrales syndicales du pays, a organisé des sit-ins de protestation générale dans plusieurs agglomérations du royaume et devant le siège du Parlement arabe. Les manifestants ont dénoncé la dégradation de la situation sociale des Marocains suite à ce qu'ils qualifient de politique destructrice du pouvoir d'achat des Marocains. Les mesures de l'exécutif marocain font grimper l'inflation globale plus que prévu, renforçant ainsi la bataille prolongée et douloureuse des ménages marocains contre les coûts élevés. Au royaume de Sa Majesté, un scandale en chasse un autre. L'augmentation du prix de la bonbonne de gaz butane a donné lieu à d'autres abus et dépassements. Alors qu'une vidéo a été diffusée largement cette semaine sur les réseaux sociaux détectant des anomalies entre le poids réel et le poids affiché de la bonbonne de gaz butane, des députés marocains ont adressé une question écrite au ministère du Commerce et de l'Industrie marocaine pour s'expliquer. Les députés ont souligné que la décision du gouvernement de réduire les subventions a poussé les sociétés de distribution de réduire le poids de la bonbonne entre 10 et 25% du poids déclaré, pour compenser leur manque à gagner. Les députés ont souligné que la décision du gouvernement de réduire les subventions a poussé les sociétés de distribution de réduire le poids de la bonbonne entre 10 et 25% du poids déclaré pour compenser leur manque à gagner. L'une des conséquences du butane qui coûte désormais beaucoup plus cher est que les Marocains sont retournés à l'utilisation de bois pour la préparation des repas et pour se réchauffer. La décision d'augmenter les prix du butane souligne que le chemin vers une baisse de l'inflation reste extrêmement semé d'embûches et continuera de chauffer les poches des Marocains. Direction l'Irak, clap de fin pour la mission de l'ONU en Irak. Après 20 ans passés sur place, le Conseil de sécurité a décidé cette semaine le retrait de la Manui le 31 décembre 2025, une décision qui intervient conformément
à une demande officielle du gouvernement irakien. The result of the voting is as follows. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a reçu 15 voix pour. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité en tant que résolution 2732 de 2024. Après plus de 20 ans de présence dans le pays, la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak devrait plier bagage dès la fin de l'année prochaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé vendredi à l'unanimité de prolonger le mandat de la Manoui pour une dernière période de 19 mois, à savoir jusqu'au 31 décembre 2025, avant d'acter son retrait de Bagdad, suite à une demande officielle émanant du gouvernement irakien. Débémé dans une lettre au Conseil, le premier ministre irakien, Mohamed Shia Soudani, avait targué la demande de son pays par les développements positifs et les succès des gouvernements successifs. Pourtant, de multiples défis n'ont encore résolus, tels que la corruption, les paralysies constatées dans le processus politique et la question de la présence des forces étrangères opérant en dehors du contrôle de l'État, jette sûrement un ombre sur le bilan de la mission onusienne. Pourtant, de multiples défis n'ont encore résolus, tels que la corruption, les paralysies constatées dans le processus politique et la question de la présence des forces étrangères opérant en dehors du contrôle de l'État, jette sûrement un ombre sur le bilan de la mission onusienne. Créée en 2003 après l'invasion américano-britannique de l'Irak, la Manoui est une mission politique spéciale mise en place en vertu de la résolution 1500 du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande du gouvernement irakien de l'époque. La Russie et la Chine ont soutenu la demande de Bagdad de départ de la Manoui. Nous sommes convaincus qu'au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis sa création, la Manoui, mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak, a pleinement réalisé son potentiel d'aide à la restauration de l'État irakien et que le peuple irakien est désormais prêt à assumer l'entière responsabilité de l'avenir politique du pays. Washington, de son côté, n'a pas immédiatement apporté son soutien à cette démarche. Nous reconnaissons tous que l'Irak a changé de manière spectaculaire ces dernières années et que la mission de la Manoui devait être réorientée dans le cadre de notre engagement à promouvoir un Irak sûr, stable et souverain. Washington déploie environ 2500 soldats en Irak, officiellement dans le cadre de la lutte contre l'État islamique, dans le cadre de la coalition internationale créée en 2014. En février dernier, les autorités irakiennes avaient annoncé avoir repris des pourparlers avec Washington pour planifier le retrait de la coalition internationale. Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a mis en garde ce dimanche à Singapour contre les limites à la retenue de Pékin aux mers de Chine méridionale, à la suite d'une crise, d'une série d'accrochages entre navires chinois et philippins dans une zone contestée. Les navires des gardes-côtes chinois ont utilisé les canons à eau contre des bateaux philippins à plusieurs reprises dans des eaux que Pékin revendique presque entièrement et des collisions ont blessé plusieurs soldats philippins. Le ministre de la Défense chinois a par ailleurs déclaré, je cite, que son pays empêcherait par tous les moyens l'indépendance de l'île de Taïwan. L'armée populaire de libération de Chine a toujours été une force indestructible et puissante dans la défense de l'unification de la patrie. Et elle agira à tout moment avec détermination et force pour freiner l'indépendance de Taïwan et faire en sorte qu'elle ne réussisse jamais dans ses tentatives. Quiconque ose séparer Taïwan de la Chine sera réduit en miettes et subira sa propre destruction. Ligue des champions, le Real Madrid est-il le roi incontesté de la compétition? Le club madrilène a inscrit à jamais son nom au sommet du plus prestigieux des tournois de clubs au monde, dominé pendant plus d'une heure de jeu. Le club espagnol l'a emporté 2-0 face à un Borussia Dortmund conquérant, mais qui pourra regretter ses trop nombreuses occasions ratées devant le but. Les Espagnols ont fini par s'imposer en fin de rencontre sur un but de la tête de son défenseur Dani Carvajal avant que le Brésilien Vinicius Junior ne double la marque. Il s'agit donc du 15e sacre pour le Real Madrid et du 5e pour son entraîneur italien Carlo Ancelotti.
Et à la fin de ce 19h, merci de l'avoir suivi. La suite, comme d'habitude, avec l'Échiquier International, présenté par Karim Bouaziz. Excellente fin de soirée sur Al24 News.